Oui, monsieur Auguste, tout va très très bien ce matin ici dans le nord-est du Québec. Un peu froid, hein, comme je disais tantôt, là. C'est un peu froid ce matin, on s'est réveillé avec les moins 20 degrés centigrades. Là, c'est rendu moins 14, moins 13, quelque chose comme ça, là, avec un beau soleil par contre. Un petit peu de nuage, Auguste. Ouais, effectivement, on avait fait un petit QSO le 9 novembre dernier. Monsieur Auguste, je me rappelle très très bien de ta station. J'espère que toi aussi ça va bien, puis que tu fais des bons QSO aujourd'hui. À toi le micro, Auguste. Bye, Pierre. Oui. Ah ben c'est pas toujours évident, nous on vient habitué là. Il y a quelqu'un qui m'a breaké, je me laissais passer, Auguste. Vas-y, break. Ah oui, bonjour, Frank, 9 kilos papa 155. 14 BCAA 38 ans 59 ici sur le département 38. Bien entendu, j'entends pas le correspondant qui se trouve sur la division 14. Ouais, Pierre Kilo Papa 155, 14 BCAA 38 ans, écoute. Salut, salut. Oui. Ok, ah ben salut monsieur Louis, 14 BCAA 38 ans. Bien content de t'entendre aussi. Louis, je dois dire que je t'écoute régulièrement sur YouTube des vidéos que tu parlais avec André, là, 9 Alpha Animal 001 et d'autres choses aussi. Ça me fait un plaisir d'écouter ça, donc c'est vraiment rigolo d'écouter les vidéos André et les autres. Là. Je te salue bien, Louis, là, je pense toujours aussi bien. J'étais en communication avec Auguste, le 14 VTT 57. Tantôt, il y avait Pierre, 14 RJ 270 et Roland. En tout cas, il y a plusieurs stations là, qui étaient sur le QSO. Je t'en passe le micro, M. Louis, avant de reprendre ça avec Auguste, à toi. Ah, M. Louis, toujours le petit imitateur d'accent québécois, là. Ah, tu le fais rire avec ton petit accent, mais je te dirais que tu l'as bien, là. Tu l'as bien quand tu parles pas trop vite, là. C'est dur de différencier si t'es vraiment un français d'Europe ou un petit québécois qui tourne un peu la langue. C'est bon, Oui, non, mais je vous plaisante, mon ami Pierre. Bien content de vous écouter, c'est agréable, ma foi. Il y a beaucoup de bruit de notre côté, là. On a entendu, là, les Nord-Américains, Chicago, là, Brandieu, ils arrivaient comme une tonne de briques, là, Pierre, à toi. Une tonne de briques, à côté de la propagation de Louis, hein, y a pas de problème. Est-ce que tu connais 14 RC 42 Daniel, toi? Ah, si, Daniel, si, je l'ai dit en premier, mais là, négatif, hein, pour l'instant, négatif. Parce que les 73 de ma part, Pierre, à toi le micro, tu fais tourner, s'il te plaît. Non, c'est parce que je lui ai parlé la semaine dernière, puis il m'a donné son adresse email, puis je cherche quelqu'un qui, ben, je ne réussis pas à le retrouver, puis son adresse email ne fonctionne pas, donc j'essayais de trouver quelqu'un qui connaissait bien, qui avait son adresse. Oui. Je vais l'entendre sur la radio, à toi. Ah non, mais son adresse email, non, je ne l'ai pas, Pierre. Hein. Je ne l'ai pas, je n'ai que sa voix en radio, comme je fais des vidéos, mais je n'ai jamais pensé à lui demander son adresse. Tu sais, nous, on demande l'adresse des copains quand ils sont très, très loin. Quand ils sont à côté, on ne veut pas les voir à la maison, Pierre, à toi, vaisselle. Ben, t'as le problème, Louis, là, si tu continues à parler avec ton accent québécois, tu vas perdre ton accent français. Bien entendu, ça me fait bien plaisir, mon ami. Mais enfin, bref, jamais j'arriverai à votre hauteur. Parce que ça devient difficile, hein. Faudrait que j'y habite pendant quelques jours là-bas, ou quelques mois, voire quelques années, présentant à toi, Pierre. Oh non, de dire, moi, si je prends l'accent français, tu sais, il n'y a pas de souci, mon copain, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, ouais, c'est très très bon. Hein. Avec ta permission, je vais repasser le micro à Auguste, là, qui était sur le QSO. Auguste, est-ce que tu entends Louis, avec 14 BCAR 38 ans? Oui, Auguste, à toi. Retenu, hein? J'ai bien entendu. Eh bien, ici, tous les signaux 59 plus. Là. Alors, Louis, il y a Auguste du côté de Strasbourg qui t'a envoyé des salutations à toi, Louis. Ah oui, oui, non, je l'entends pas. Hein. J'entends qu'il y a un murmure, mais c'est du négatif de mon côté pour la compréhension. Bien sûr, l'ami Gérard qui a fini son de tailler la bavette là, ou je sais pas trop quoi, là, qui est parmi nous, là, qui est revenu. Alors, avec ta permission, Pierre, et la permission d'Auguste, là, bien entendu, tu l'en verras plus tard, les 73 à Strasbourg, là, les Stoucis de Strasbourg. Non, ça bourre. Allez, Gérard, 14 Fox Radio, avec la permission de Pierre, d'Auguste et de moi-même, en avant-titre, à toutes.
Oui, bonjour, Pierre, ici 14, Foxtrot Romeo 38, prénom Gérard, QTH à quelques vingtaines de kilomètres de Louis, dans le département 38, bien sûr, avec un temps de saison, froid, du vent, enfin tout ce qu'il faut, voilà, l'hiver arrive. Voilà, vous m'arrivez ici avec 5, 9 plus 5 dB, hein, dans une antenne dipôle rotative. TS690S et micro tout à fait standard. Je vous repasse les micros, Pierre. C'est bon, Gérard, c'est bon, Gérard, j'entends bien aussi, là, c'est pas fort comme signal, mais la modulation est bonne, puis il n'y a pas de QRM. Alors, tantôt, j'avais beaucoup de statique, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, c'est devenu tranquille, donc c'est le calme entre vos modulations, donc ça fait du bien, là. Alors, 14FR38, Gérard, je suis bien content de faire un petit QSO avec vous. Je pense que c'est la première fois, là, si je ne me trompe pas, j'ai rien à mon logbook, mais j'ai déjà entendu aussi, peut-être sur YouTube, là, avec André de Falfadiment de Rougeau, qui vous avait enregistré. Je pense, mais je ne suis pas sûr. Anyway, vous pensez bien que c'est pareil, là, puis, alors, mais dites-moi pas qu'il fait froid de votre côté, là, nous, avec le moins 20 de ce matin, votre petit 2-3 degrés, 4-5 degrés, là, c'est chaud pour nous, là. À toi, les gens. Oui, c'est sûr, oui. 3-4 degrés, c'est sûr, pour vous, c'est de la rigolade. Oui, ben, pour nous, moins 20, c'est la catastrophe la plus absolue. Oui, effectivement, la fréquence est calme, là, il n'y a pas de problème. Ça passe toujours très, très, très bien. Voilà, on va repasser la sucette au Père Louis, là. Très bien. OK, merci, mon ami Gérard. Oh, ben, vendu, moi, si il ne fait pas 30 degrés, au moins, je vais pas dans l'eau, moi. Hein. Moi, avec des 4 degrés, c'est pas très chaud. Pour moi, nom de Dieu, c'est 30 degrés qu'il faudrait pour que je puisse piquer une tête dans la mer ou l'océan, ou je ne sais où, la pierre, à toi. Tu me fais vraiment rire avec ton accent. Il n'y a pas de problème. Voilà, je suis en train de faire un petit enregistrement. Là, j'ai posé la petite cam là, sur la table, là, de façon à ce que ça ne bouge pas, parce que le Pierre Gérard, il m'a dit que j'avais la tremblotte, là. On dirait que j'ai bien un canon, mais je ne vois rien, Gérard. À toi le micro. Ouais, t'as la tremblotte, ouais. Non, mais c'est vrai que sinon les vidéos sont très bonnes, mais on a l'impression que tu subis en permanence un tremblement de terre, le transceiver il bouge dans tous les sens là. C'est pas vrai, Pierre? Ben, je sais pas, là, j'ai pas remarqué les dernières vidéos, ils semblaient bons de BCA. Est-ce que tu en as mis des dessins, Louis, sur YouTube? Oui, j'en ai mis quelques-unes, pas beaucoup comme d'habitude, mais j'en ai mis. Hein. Et là, je vais en mettre une autre, mon vieux. Hein. Tu vas voir, celle-là va être nickel chrome, là. Ça ne bougera plus, là. Tremblement de terre, il a disparu, Pierre, à toi. OK, mon rouleau de air. Mais je ne sais pas pourquoi tu roules des airs comme ça. Est-ce que moi, je ne les roule pas? Peut-être que les stations de Montréal, eux, ils ont un accent qui roule leur air. Nous, ici, au Lac Saint-Jean, on a un autre accent qui est complètement différent. Chaque région du Québec a son accent, je vais te dire. Là. Mais le roulage, je ne peux pas rouler mes airs comme toi, là, toi. Ah bien, parce que moi, j'ai un accent québécois qui vient du sud de la France, et un peu du nord, un peu du nord d'Afrique, un peu tout mélangé, tu comprends, c'est pour ça que je prononce les R. Mais vous les roulez aussi, là, pas beaucoup, mais ils roulent les R aussi également. Voilà, Dieu. Je plaisante, au nom de Dieu, j'arrête mes colloques. Allez, puis tu rentres à toi. La plaisanterie fait du bien de temps en temps, oui. Oui, puis il roule un peu trop, hein. Un peu trop. Alors, c'est peut-être du patois canadien, hein. Allez, Pierre, je te renvoie le micro avec toutes mes excuses, bien entendu. Je reprends mon accent normal et avec ma voix habituelle. Voilà, Pierre, à toi. Ouais, je pense que tu roules un petit peu trop, là. C'est comme exagéré un petit peu, Louis. Hi. Il y a une station qui vient d'appeler, on va le laisser passer. Voici la station qui a lancé ce QSO. Ah oui, merci beaucoup mon ami. Eh bien, je vais essayer de ne pas trop rouler les airs. On va essayer d'être plus français que les Québécois, nom de Dieu, c'est pas difficile à parler, mais enfin des fois. Non, le père Alain là sur Nancy négatif aujourd'hui. Hein. D'habitude j'arrive un peu à les entendre.
Et non, c'est un, mais aujourd'hui, c'est négatif. Mais là, ça ferait que là, c'est propre. Hein. Il y a un petit fond de 2 au niveau signal de QRM, mais c'est pas violent. Ça vient. Bonne émission de ton côté, Pierre. Hein. C'est très bonne émission, 59-59, hein, avec une excellente audio. Hein. D'ailleurs, tu es grâce sur YouTube, là, pour écouter un petit peu la conversation entre Gérard, toi et. Et bien sûr moi-même, puisque les autres OM, là, je les écoute pas. Voilà, Gérard, à toi. Oui, Pierre, je vais faire un essai, je vais basculer sur la verticale Mantua 8 turbo, là. Turbo, pardon. Je coupe, je reprends. Voilà, je reprends sur la verticale. Comment tu me reçois, Pierre? Mais c'est plus fort sur la verticale. Tantôt, t'étais à 55, là, t'es passé à 57, Bon, ben d'accord, tu vois. Bon, ben pour une fois, c'est le contraire. D'habitude, j'arrivais avec mon dipôle rotatif, là, et là, aujourd'hui, c'est verticale. Bon, ben, c'était aussi dû à la propagation et puis à ne pas avoir de bruit sur la fréquence, là. Bon, ben c'est bien. Toi, j'ai pas eu le temps de regarder si tu avais gagné quelque chose. Ok, ben moi, je suis à l'horizontale, je suis vraiment la seule antenne, je reste sur l'horizontale tout le temps. Mais c'est pas une grosse différence, j'ai quand même vu un ou deux dB entre les deux, là. Bon, ben, de ton côté, c'est toujours 59 plus 2, 3 dB. Hein. Tu as perdu deux petites barres, mais bon. Donc ça, c'est normal, vu qu'on n'est pas sur la même polarisation. Bien, ben, c'est parfait. Quelle heure se fait-il sur ton QTH, là? Bon, il est pressant, l'heure du matin. Bon, ben, il va être temps de commencer à aller s'approcher des 4 ans, là. Bon, il est d'accord de bonne heure. Ah, d'accord. À tout à l'heure, là. Bon, un bon gastro, une bonne journée, et puis au grand plaisir de se recontacter dans de bonnes ou encore meilleures conditions qu'aujourd'hui. Hein. Voilà, 14 FR 38, 14 Fox Ramon Romeo 38, adresse à Pierre, c'est 73. Bonne poignée de main, hommage au curat familial et bonne journée, à plus. Bonne journée à vous deux, Gérard et Louis, puis bonne prochaine, c'est un plaisir, et on dit aussi là, ces trois stations, je vais rester à l'écoute un petit peu ici, 9 kilo, papa 1 double 5 du Québec. Je